Et surtout de la mise à niveau du vélo pour l'hiver. Le temps, Raphaël, parce que vous êtes aussi un grand amateur, de vous présenter sur les routes la nouvelle arme des communes. Cette nouvelle arme, c'est un conteneur avec au-dessus une caméra MPR. C'est James Bond. Elle voit tout, elle enregistre tout. Tu mets ça à l'entrée d'un quartier, elle sait qui est venu alors qu'il n'était pas riverain. La nouvelle arme de la ville française. Dans la grande famille des caméras installées au bord des routes, la petite dernière n'est pas du genre discret. Si vous apercevez ce gros contenu au bord de la route, retrouvez-vous sa caméra intelligente. Ses yeux perçants reconnaissent les plaques d'immatriculation, mais que cache le ventre de la bête? Il y a 2 tonnes de batterie qui permettent d'éviter de fonctionner plusieurs fois. Ensuite, un tel contrefort permet d'éviter les arcs de vandalisme. Malgré sa corpulence, il s'agit bien d'un équipement mobile que la police ou les communes peuvent déplacer en fonction des besoins. Les étages sont plus petites, évidemment, mais on pourrait imaginer la surveillance d'une voie acceptée aux circulations de bus. On pourrait imaginer une voie de circulation, une voirie interdite aux camions, au contrôle du camion, malgré tout. On pourrait aussi imaginer un chantier routier interdire la circulation. Et donc, on trouve si les véhicules circulent sur le chantier. Coûte pour la commune ou pour les autres polices, 3 000 euros par mois. Le constructeur Securoa profite du salon Municipalia pour présenter ce nouvel équipement aux communes. La ville avait notamment réfléchi à cette solution pour le chantier de la Cité des Moulins, où les infractions sont nombreuses. Les voitures n'ont rien à faire sur cette bande de route. Les travaux derrière moi vont durer 2 mois. La ville de Namur envisage d'installer ici cette nouvelle caméra intelligente. Le premier qui est sur la route, toute la photo, et vous avez ça, on n'est pas des pigeons. D'ores et déjà, merci. Ce soir, à la dernière week-end d'événements, les discothèques sont face au mur. 2 discothèques emblématiques de la capitale, le Mirano, le Spirito. Le boss de ces 2 discothèques est avec nous. Vous allez répondre, M. Blanchard, aux questions du mur dans un instant. J'ai le temps de voir si le public belge se réjouit de revenir, comme Jessica, parce que vous sortez ce week-end. Grégoire est dans la bande, Carlo. Je rêve de sortir en voile. J'ai déjà pris les prévents pour samedi. Ah oui, très bien. Il y a des discothèques que ce soir à minuit. Ouais. Xavier, merci d'être là. Et puis, on doit savoir. Il a l'air très épicurien aussi. Alors, on va lui poser la question. Et d'ailleurs, il est devant ce qui ressemble en tout cas à une armoire avec des verres à vin. Retournez-vous, oui. Je prends. Ce sont des verres à vin derrière vous.
flot marais. Où est Cole? Ah! Pour protéger ce qui compte vraiment pour vous, vous devez toujours compter sur nous pour les synapses. Sur place, un geste très apprécié par les autorités égyptiennes.
Deux mois et demi après les inondations, la démolition des premières maisons sinistrées a donc commencé cet après-midi à Jones. Plus de 1400 habitations ont été touchées. 40 d'entre elles doivent être construites. Les travaux de la commune seront achevés à la Julien Moulin. Les premières briques et le premier mur. Cette démolition, c'est aussi finalement le premier pas vers la reconstruction. Mais les propriétaires s'interrogent. On leur garantit que les assurances vont prendre en charge tous les frais. Pourtant, qui est réellement armé pour les récompenses lorsque les messieurs sont impuissants? Je viens de recevoir la facture, je dois payer plusieurs lettres et je dois payer la démission. Pour être très clair, les factures sont obligatoirement adressées aux sinistrés et c'est la compagnie d'assurance qui va les prendre en charge. Je ne sais pas mon nom. Donc, en plus de la peine de perdre un bâtiment, il y a tout ce souci-là d'argent. Finalement, ce sont bien 40 maisons qui seront démolies. Une dizaine à Rure, de ce côté de l'eau, et le reste ici. Toutes ces maisons seront mises à terre. Et la ville envisage de ne rien reconstruire si ce n'est l'espace élégant d'un parc à souvenirs. D'abord parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui voudrait revivre dans ce type de bâtiment. Et surtout, il y a un endroit qui est derrière vous, qui est l'endroit où malheureusement trois personnes ont disparu, et bien qui doit rester un endroit de commémoration. Chaque mouvement de grue est un crève-cœur pour les riverains, qui voient leur ville se transformer sous leurs yeux. Ça me touche très très fort. Et je me mets à la place de ces personnes. Si on m'avait annoncé qu'on devait démolir ma maison, je ne sais pas si je me serais relevé aussi facilement. Le travail de démolition devrait être terminé. Absolument. Pour aider la Wallonie à se reconstruire, le gouvernement fédéral a donc décidé de lui accorder un prêt d'1,2 milliard d'euros. Ce n'est donc ni un don d'argent, ni une subvention, mais la Wallonie ne devra pas le rembourser tout de suite. Benoît Duteau, Clarisse de Bâti. En Wallonie, les inondations ont fait 100 000 sinistrés. 209 communes sont touchées sur les 262 que compte la région. Pour l'instant, la facture totale est estimée à 3 milliards d'euros. 630 millions d'euros sont pris en charge par les assureurs. Et désormais, la région bénéficie donc d'un prêt d'1,2 milliard octroyé par l'État fédéral. Le milliard d'eux va être complètement utilisé pour la reconstruction dans toutes les communes qui sont sinistrées. Le prêt est octroyé à un taux d'intérêt conforme à celui du marché, en sachant que l'État fédéral bénéficie de taux relativement bas. La période de remboursement durera 10 ans, mais ne commencera qu'en 2025. Le ministre Wallon des Finances est satisfait. La somme est importante et elle est du double de ce qui a toujours été cité comme chiffre. Elle intervient en plus à un moment crucial parce que nous sommes en plein débat budgétaire, on appelle le combat budgétaire. Pourquoi l'État fédéral fait-il un prêt et pas un don? Cet après-midi à la Chambre, des partis d'opposition posaient la question. Avec cette aide, il me semble qu'on est très loin du concept de solidarité nationale que le ministre-président Wallon appelait de ses voeux mi-septembre. Relayé en ça par votre secrétaire d'État, Thomas Dermine, qui lui proposait une enveloppe, un fonds de 600 millions d'euros, monnaie sonnante et trébuchante. Je suis lié par la loi spéciale de financement, qui est très très claire par rapport à ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et donc un emprunt, c'est possible, un don par rapport à des compétences qui sont des compétences non générales, tout simplement pas possible. Le fait que la législation, d'après vous, semble ne pas prévoir un cas de figure où l'État puisse intervenir de manière asymétrique, me semble, à titre personnel, faire fort peu de cas de la créativité habituelle que nous avons dans ce pays. Est-ce que vraiment c'est si impossible? L'idée d'une plus grande solidarité entre les régions en cas de catastrophe climatique fait pourtant son chemin. J'ai envoyé une lettre à tous les ministres présidents pour leur inviter à entamer la réflexion et commencer une discussion entre nous sur comment est-ce qu'on pourrait avoir une solution structurelle pour les cas qu'on a vu ici et où je crains qu'on puisse attendre basé sur le réchauffement climatique dans le futur, ça peut encore arriver. Ce mécanisme de solidarité existe déjà dans d'autres pays fédérés comme l'Allemagne.
Et il sera encore question de ce prêt demain avec l'invité de la matinale de BRTL. Ce sera le chef de groupe CDH au Parlement wallon, François Descaines. Il répondra dès 7h50 aux questions de Fabrice Grosfilet. À côté de ces aides publiques, il y a toujours aussi la solidarité des citoyens. Et ceux-ci viennent parfois de loin. À Liège, une association française a ainsi permis d'offrir de nouveaux meubles à des familles sinistrées. Fanny de Héros, Julien. Dans ce camion, un stock très attendu des bénévoles, mais surtout des sinistrés, plus d'un millier de kilomètres, pour acheminer de quoi renommer leur habitation. 400 pièces au total venues de Nice, des meubles neufs, achetés grâce aux dons et au fonds de solidarité de l'association. Il y a des meubles, des petits meubles bas, il y a des lits, on a des tables, des chaises, assembler des forces et des envies communes pour aider 340 familles grâce à cette association française centrée sur de la post-urgence, de l'aide à plus long terme. Le projet va encore plus loin. Un parrainage de maison que nous essayons de développer ici en Belgique, c'est quelque chose qui est assez rare et qui est assez innovant malgré tout, où on demande à des entreprises de parrainer une, deux, trois, cinq, dix maisons à 500 euros la maison. Et nous partageons, on double cette mise. Les meubles seront redistribués aux familles en fonction des besoins de chacune. Dans le reste de l'actualité, on a donc frôlé la catastrophe cet après-midi à Kuckelberg, en région bruxelloise. Une explosion au gaz s'est produite dans la gaine technique d'un immeuble. Tous les étages ont donc été touchés. Malheureusement, que 7 blessés légers, mais plusieurs logements sont désormais inhabitables. Anne Gabriel, Elisabeth Kers. Des vitres et des ponts de murs entièrement soufflés. Des châssis arrachés pour ceux qui tiennent encore. Celui-ci est projeté inatterri sur le trottoir. Vu de haut, l'étendue des dégâts. Au troisième étage, deux frères sont dans l'appartement au moment de l'explosion. Il est 15h35. La première chose qui s'est accusée, oh mon frère, c'est ce qu'il faut avoir fait, on a fait en sorte que pour la vie d'aller bien, on a sorti, on a fait le GC dans la dernière minute pour notre père, parce qu'il y avait 300 mètres. On est sorti pour éviter les explosions s'il y avait un arrêt, parce que ça sort tout le monde de gaz. À l'intérieur de l'immeuble, tout est retourné. Les portes arrachées, une explosion à tous les niveaux, à tous les étages. C'est une explosion qui a été causée par une fuite de gaz. Probablement, dans la gaine technique, le gaz s'est accumulé et a fini par exploser. Donc, il y a un chenil individuel de 5 étages qui sont sortis du mur. Le dispositif policier est important. Plusieurs ont fermé à la circulation. Des dizaines de pompiers mobilisés. Les appartements sont vérifiés un à un à la recherche de victimes. Je ne sais pas si vous voyez ici. Au total, 7 personnes sont évacuées vers l'hôpital. Sauvées des CVG ou en tête. Réduire cet âge brut. Plusieurs centaines.
vers 18h30. Nous avons pu aussi voir le recteur de l'UC Louvain. La place de l'université était d'ailleurs presque remplie. Et vous voyez, il y a encore quelques personnes qui restent ici en soutien à cette étudiante. Et nous avons pu sentir cet accident a véritablement choqué sur le campus. Nous avons vu des étudiants pleurer ici lors du rassemblement, notamment des bleus des premières années. Il y en avait beaucoup ici lors de ce rassemblement. Certains la connaissaient. Pour eux, c'était donc l'occasion de... Demain, la couleur de mes habits, je me sens jamais mieux que dans mes physiques. C'est très bien qui sont mes amis, et ceux qui me gardent pour les avoir. Ils auraient vu le terrain, eux, du qui a dit que ce sera. Toutes les autres ici sur le campus sont annulées, suspendues, pour une durée encore indéterminée. À la place, ils ont donc souhaité organiser ce rassemblement pendant lequel deux responsables ont pris la parole. Ils se sont dit particulièrement émus par cet accident qui chamboule le campus. De l'émotion, on a aussi beaucoup ressenti lorsque nous avons interviewé quelques participants à ce rassemblement. Je vous propose de les écouter. En fait, on est là avant tout pour trouver notre soutien. On est là sans dormir au canal, on est là en tant qu'être humain. Pour faire preuve de solidarité, comme on l'a toujours fait. Il y a beaucoup d'émotions, je pense que vous l'avez peut-être déjà remarqué, voilà, c'est pas facile, les mots sont parfois durs à porter, quoi, mais voilà, on est là. Et voilà, pour ce rassemblement, merci Gauthier. Reste maintenant à faire en sorte que ce genre d'accident ne se reproduise plus. Alors, y a-t-il moyen d'encadrer ces fêtes sur les campus? Et qu'est-ce qui est prévu pour ça aujourd'hui? Et une réponse avec Gauthier Falk et Damien Poulet. Actuellement, sur les campus de lycée Louvain, les responsables de l'animation étudiante sont formés. Ils doivent notamment respecter les chartes pour encadrer les fêtes. Il y a une obligation de la part des responsables d'animation d'avoir un petit qui est un t-shirt jaune. Un t-shirt jaune, c'est une personne ou plusieurs. Un peu sur les fluos, qui sont bien présentes, donc cette personne. Et la responsable de la sécurité et de l'opération. Donc c'est elle qui va appeler les frères de l'ordre ou la NA avec le problème. Mais est-ce suffisant pour faire un autre de quoi nous actuels et normal? Pour moi, non. Donc tout va. Changer complètement la manière d'encadrer l'animation étudiante. Tout événement qui se passe fait réfléchir. Tant les étudiants, acteurs de l'animation des étudiants, que l'université. Donc chaque année, de façon très dynamique, on remet ça sur la table et on repense les choses. Ouais. Est-ce que ça va changer fondamentalement? Sans doute que non, parce que avec 20-25 ans d'expérience, on a déjà des fils conducteurs, mais il y aura des points d'attention particuliers. Peut-être par exemple en incitant davantage les étudiants à faire la fête en dehors des côtes. C'est d'ailleurs dans un code que s'est produit l'accident de la fête. Nous invitons régulièrement donc, les côtes à projet, dont nous sommes directement responsables, mais aussi tous les étudiants à venir faire la fête, ou plutôt dans ces salles d'animation. Ces salles, comme je l'ai dit, servent vraiment à avoir une animation sécurisée, à avoir une fête sécurisée. Les responsables de l'animation rapidement les autorités de l'université, en attendant les fêtes étudiantes qui ne sont pas largées sur le campus, et les devant la justice en mai 2018, souvenez-vous, cette petite fille avait été tuée par un tir de la police pendant une course-poursuite. L'agent en question qui avait été condamné en première instance à un an de prison avec sursis avec la peine, il est donc à nouveau jugé aujourd'hui à Nancy. Sur place, Benjamin Samin, comme lors du premier procès, les parents de Mahouda sont là. Ils sont entourés par un comité de sursis. Condamné à un an de prison avec sursis, le policier qui a tiré sur le cadre de 9 ans a fait appel. Ouais. Le tribunal avait reconnu que le policier avait eu totalement tort de tirer. Le policier défend aujourd'hui que n'importe quel policier dans sa situation aurait fait la même chose. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, c'était une course-poursuite qui impliquait de nombreux policiers et il est le seul à retirer. Sur la fin de l'État, présent, l'avocat général. Son collègue est conduit le véhicule et s'est allé
proximité de notre véhicule, on risque d'être en l'air. Je vais demander dans ces conditions, à comme vous dire, de préparer le gouvernement pour faire le coup. Alors que vous avez laissé la responsabilité d'autres personnes, mais pas la responsabilité. Ce matin, le policier s'est exprimé. Il a déclaré qu'il ignorait qu'il y avait des migrants dans la camionnette et qu'il n'avait pas vu de migrants étant exilé par quelqu'un d'autre du ministère. Le ministère public a demandé de confirmer sa peine, donnant de prison à la sursis. L'audience reprendra. On voit ailleurs que cet enfant d'un an et demi décédé à Charleroi après avoir reçu des coups. La mère de la victime a été relâchée, mais son compagnon, qui gardait une femme au moment du drame, a été placé sous mandat d'arrêt et inculpé pour homicide volontaire. De son côté, il conteste avoir porté les coups à la victime et parle d'une violente accidentelle. L'extension du Covid Safety Kit, c'est pour bientôt, vous le savez, à Bruxelles, pour avoir des passes sanitaires. C'est nécessaire pour aller au restaurant, fréquenter une salle de sport ou encore rendre visite à un proche dans une maison de repos. Et c'est un petit peu pour lui, certaines familles et des personnes déplacées. Voilà, je l'ai croisé. Avec Kevin Mouillard, Catherine Manzéphane et Julien. Et non, ils ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que l'on ne sait pas le fils et pourquoi est-ce qu'on va dire qu'on a refusé le droit. Et je pense qu'ils ont été très patients aussi pour la crise, ils ont fait bien voir qu'ils ont continué à chanter pendant le moment. Seule solution, les tests PCR, un sacré budget s'il serait fait très dernièrement. Déborah, non vaccinée elle aussi, espère trouver des alternatives. Peut-être que je pourrais aller dehors avec lui, je n'en sais rien, vu qu'on se met à place. Je peux aller manger si on n'est pas vacciné. J'espère que je puisse promener mon père à l'extérieur. Le Covid Safety Kit sera obligatoire dans les maisons de retour, bientôt. On apprend aussi ce soir que le gouvernement wallon a décidé de maintenir l'obligation du port du masque dans le secteur et sur une situation épidémiologique toujours difficile. Pas question donc d'assouplir les règles comme il espérait. Le port du masque restera obligatoire, entre autres dans les transports communs, les gares ou les magasins, ou encore les centres commerciaux, et aura bien sûr le déplacement dans les établissements HoReCa. Dès demain, les pharmaciens pourront aussi vous prescrire directement le vaccin contre la grippe. Un vaccin, un de plus, qui ont fait hésiter certains cette année. Est-ce vraiment sans risque de se faire vacciner contre la grippe quand on l'est déjà contre le coronavirus ? Y a-t-il des délais à respecter entre ces deux doses ? On va tirer tout ça au clair avec Céline Ronsard et Arnaud Cerise. Alors que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débute bientôt, ce médecin généraliste reçoit des patients inquiets. Peut-on se faire vacciner sans danger contre la grippe après avoir été vacciné contre le Covid-19 ? Il n'y a pas de changement. On recommande toujours de le faire, mais si les gestes barrières font qu'on peut espérer qu'il y en ait moins. Le vaccin contre la grippe reste recommandé pour les plus de 50 ans, les femmes enceintes et les personnes souffrant de certaines pathologies chroniques. Autre question, faut-il respecter un délai minimum entre les deux vaccins, grippe et Covid ? La réponse est non. C'est faisable en même temps. Est-il possible d'aller plus loin et d'avoir une seule et même injection à la fois pour le Covid et pour la grippe ? C'est en tout cas l'objectif de Moderna. L'entreprise américaine a annoncé le développement d'un vaccin combinant un repère du vaccin contre le Covid-19 et une dose contre la grippe. Techniquement, c'est possible, mais pas certain que ce vaccin combiné puisse être utilisé en pratique. Pourquoi ? Parce que nous ne savons pas si ce sera nécessaire de le vacciner comme un pif chaque année avec le vaccin Covid. Deux, nous ne savons pas si on devra le faire plus ou moins la même méthode. Et troisièmement, il est possible que des variants nouveaux se développent pour lesquels il faut revacciner un autre moment le vaccin Covid. Donc ça reste des réflexions à ce stade.
Ce qui est sûr en revanche, c'est que les firmes pharmaceutiques utilisent leurs connaissances acquises durant la pandémie pour développer la technique de l'ARN. Je fais une game, après j'arrête. Notamment celui de la grippe saisonnière. Ce nouveau rôle est aussi dans le conflit social qui oppose la direction et les travailleurs de l'entreprise Logistics Alivel. Après l'annonce de la fermeture du site qui menace 549 emplois, les travailleurs, vous le savez, sont en grève. De 16 à 18 degrés, voilà pour les températures maximales assez uniformes demain, pas d'évolution sur la température du milieu de la matinée et celle de l'après-midi. Celui qui est plus ça c'est pour ce week-end avec une perturbation complètement pluvieuse qui va traverser la Belgique dans la nuit du samedi à dimanche. On parle de la Salut, merci.
partir pas. Non, vas-y. C'est moi qui l'a tué. Merci, merci. Tiens. Je sais que t'as eu cette danse, je vais voir la tête. Non, c'est bon. Les habitants de Basse-Terre et qui
Son masque dès demain si on présente son Covid, ses tickets et ça,
en Wallonie, mais aussi à Bruxelles. En Wallonie, pardon, même exigence pour plus de 500 spectateurs. En dessous de ces jours, pour des mariages, par exemple, il faudra continuer à respecter les mesures sanitaires. Si l'organisateur décide, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Je vous dis ciao.